m'appelle Monsieur Gillet. J'ai le concept de la cave de sel qui a été créé en 2010. Le sel est un apport de ions négatifs où la relaxation est vraiment très intéressante dedans. Et effectivement, le psoriasis, certains eczémas peuvent être effectivement soulagés. Avec les 12 tonnes de sel qui se trouvent dedans, un coup qu'on est à l'intérieur, l'air qu'on respire est à 85% pur. Pourquoi ? Parce que les poussières attirent, le sel attire les poussières et donc c'est absolument extraordinaire pour les voies respiratoires. L'air saline qui est à l'intérieur une heure ou une demi-heure équivaut à un week-end au bord de mer, et bien évidemment, les ions négatifs sont très importants. D'où effectivement, penser, ça devient difficile. Suite à ça, au bout d'une demi-heure, on est complètement relaxé. Bien sûr, il y a une autre proposition, tout de suite au-dessus, nous avons une salle pour les modelages ou massages, pour les gens qui préfèrent. Et donc là, avec des huiles essentielles, donc l'huile de pépins de raisin. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, dans le vignoble, il faut savoir que l'huile de pépins de raisin sert pour les modelages. Le sel, par lui-même, était transporté dans des fûts et l'eau de mer était diffusée sur les pieds de vigne de façon à pouvoir éviter certaines maladies. Donc ce concept est complètement unique. Donc voilà. Alors, les visites ici commencent par la tour du Pouilly Fumé, le belvédère et ensuite bien sûr la cave. Vous avez aussi de la pêche qui est avec le Nohain, la Loire, vous pouvez descendre avec des canoës, quelques musées qui valent le détour et bien sûr quelques belles églises et quelques beaux châteaux aussi à visiter dans notre région. Voilà.